Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière, un petit tuto, voilà, le guide du débutant, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc on va se lancer tout de suite dans la vidéo. Donc, vous voyez que je suis en quantum, donc c'est pas vraiment tout de suite, mais je vous explique ce qui va se dérouler. Donc, premier lieu les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on est 807 sur la chaîne, si on peut passer les 1000 abonnés, s'il vous plaît, voilà, c'est une petite demande. Alors abonnez-vous s'il vous plaît si vous voulez que ça se passe. Du coup, n'oubliez surtout pas que l'accord pour recrute pour tous les nouveaux joueurs que ça intéresse. N'hésitez pas, on recrute les joueurs anciens comme les nouveaux, comme même les groupes d'amis qui jouent ensemble, voilà, qui veulent nous rejoindre, qui veulent passer un bon moment, qui veulent être fun, mais aussi avoir un peu de sérieux dans certains gameplays qu'on fera dans le futur ou même qu'on fait déjà. Par la même occasion, pour tous les nouveaux joueurs qui regardent cette vidéo, mon lien de parrainage est dans la description si ça intéresse. Voilà, s'il vous plaît, ça vous coûte rien et ça vous fait gagner même 5000 AUEC à chaque mise à jour qu'il y aura sur le jeu en plus de votre mise de départ. Donc les amis, cette vidéo c'est le guide du débutant, donc pour 2024 et la 3.0 et la 3.23 pardon et la 4.0. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est un guide du débutant, bien entendu, qui va être obsolète au bout d'un moment. Je dis pas que c'est qu'il va rester des mois comme ça. À savoir que la 4.0 arrivera Q3 de 2024, donc certainement en septembre. Donc ce tuto, il est fait pour cette session, en tout cas de maintenant jusqu'à certainement fin 2024. On verra s'il y en a un qui respawn ou pas. Du coup, notre but, ça va être de faire de l'argent. Donc, il y a certaines façons de faire de l'argent plus facile que d'autres, pour le moment que je garde secrète, pour plusieurs raisons toutes logiques, d'accord. Mais, voilà, en quelques heures de farm, 1,5 million dans la nouvelle version, c'est déjà énorme, c'est déjà bien. Et je peux vous vraiment vous assurer que c'est sans forcer, d'accord. C'est vraiment, j'y étais en mode baba cool, quelques heures, d'accord. 1,5 million. Donc, c'est vraiment très très simple et très rapide de fermer les AUEC entre guillemets moins qu'avant, mais on peut toujours les fermer. Donc attention, je mets une énorme guillemets les amis, là c'est le partage le moment le plus important de la vidéo quasiment. Attention à tous ces youtubeurs qui ont 2-3 000 abonnés, qui ont même 5 000 parfois abonnés, j'ai vu certaines vidéos, parce que forcément je me renseigne sur les vidéos qui sortent, qui vous sortent des dingueries, qui vous sortent des âneries, d'aller faire ci, d'aller faire ça, qu'il y a plusieurs scans dans un vaisseau ou quoi ou autre. Attention à toutes les dingueries, ces nullités qui ont été dites, c'est faut pas écouter, d'accord. Il y a des choses, vraiment, faut prendre au pied de la lettre. Moi, ce que je vais vous montrer là, c'est parce que je l'ai fait et je l'ai testé et approuvé. Approuvé par mon compte en banque, qui parle par lui-même. Bien entendu, la façon de gagner plus d'argent, je ne la ferai pas. Wow, merci la déconnexion de Star, j'ai pas compris trop ce qui se passait. Tant que ça me déconne pas du jeu, il n'y a pas de problème. Ok, on est bon. Donc voilà, faites vraiment attention à ça les amis, c'est important juste pour vous, pour votre gameplay, pour éviter de vous faire embrouiller les pinceaux et à farmer 10 heures pour rien. Et alors vous aurez pu farmer 3 heures pour le triple, voire le quadruple. C'est pour ça que je fais une petite guillemets, on referme la guillemets. Et maintenant, moi, je vais vous faire voir les premières façons comment se faire de l'argent. Donc première chose, il va falloir monter votre réputation. La merde. Elle est là, voilà. Réputation. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les forces de civil ici. D'accord. Donc, c'est tout ce qui est appel aux armes, le triton, genre, il me semble. Voilà. Donc, là, c'est 0%. Je ne comprends pas pourquoi. C'est certainement parce que j'étais en tôle. C'est peut-être pour ça aussi, ouais. Ouais, j'étais en tôle. Donc, c'est pour ça que ça, ça a baissé. Mais en temps normal, vous avez l'appel aux armes. À savoir que moi, je le fais très souvent sur Hearthstone Dynamique. Donc, ça se voit plus qu'un peu. D'accord. Donc, à savoir, on a des bonus de paiement à chaque niveau. Donc, tout a été reset. Donc, à savoir, moi, je vous parle là, par exemple, pour Hearthstone. On va remonter là. Donc, pour monter ses réputations, il y a plusieurs façons. Soit faire des quêtes, des missions à droite, à gauche. Donc, moi, je vous conseille de faire ce que je vais faire pour que vous puissiez gagner de plus en plus de l'argent. Donc, à savoir que pour monter ça, il y a plusieurs façons. Donc, il y a l'appel aux armes,
les bunkers, les trucs dans le genre. Donc c'est dans Mercenary, d'accord? On va aller dans Mercenary pour faire ceci. Donc là, on va ouvrir l'onglet Mercenary. Donc, mettre fin à la surveillance, hein, pour 16 000, non, ça m'intéresse pas. Aider à la défense d'un site, ça pourrait peut-être m'intéresser, on verra. Ah, examiner des ennemis de campions. Bah, c'est bizarre, c'est une nouvelle mission, je connais pas. Appel aux armes, oula, très important quand on fait du Mercenary. On prend. On retourne au Mercenary. Parce que dès que vous tuez quelqu'un, un joueur ou un PNJ, qui est Crimstat, ou qui est pirate, et bah ça vous donne 500 USC. À l'heure actuelle, on crache pas dessus. Donc, expulser les mineurs dans la loi, allez bugger celle-là. Non. Donc moi, je vous conseille de commencer par prendre celle-ci. D'accord? Celle-ci. Pourquoi celle-ci? Donc retenez bien la réputation de Hearthstone Dynamics. Donc, il y a un côté, en fait, ça prend les deux côtés, il me semble. Ok. Donc, vous voyez, de base, de toute façon, on a 21.5. Donc, vous savez quoi? Même moi, de mon côté, je vais prendre un petit screen. Hop. Voilà, 21.5. Et je le ressortirai à la fin de la vidéo, après avoir fait la mission qu'on va faire actuellement, si elle n'est pas buggée. Parce que certaines missions, je vais pas vous mentir, sont buggées. La preuve, elle n'a pas voulu spawn. Donc on va prendre celle-ci. Voilà. On va suivre celle des compions. Donc forcément, on a toujours celle-là. Donc vous voyez, c'est déjà 10 000. 10 000 alors que notre réputation, elle est assez basse. Elle est même pas dans le vert. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais du coup, hop, hop, on voit que c'est là-bas qu'il faut aller. Donc là, on voit ça, hop. Et on va aller sur le Rufus. C'est juste à côté, d'accord. Donc, hop, on va se... voler jusqu'à là-bas. Donc, à savoir que vous pouvez pas le faire en un claquement de doigts, d'accord. C'est sur quelques heures, ça travaille. Et dès que vous aurez fait tout ce qu'il faut pour monter votre réputation, là, vous allez enchaîner les AUEC comme il n'y a pas, d'accord. Vraiment, c'est faut en fait avoir des prérequis. Donc, les prérequis, c'est forcément d'avoir un level élevé en termes de réputation. Hop, donc j'arrête le moteur avant parce que j'ai vu qu'on passait à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et on se retrouve dès que j'arrive devant la grotte. Donc les amis, nous voici arrivés à la grotte. Donc là, attendez, ça m'inquiète parce que je vois pas d'arbres sur zone. Ok, bon, c'est les arbres qui sont à côté, mais d'habitude, ouais, ça va, il n'y en a pas qu'une seule, hein, faut pas oublier. Hop, on va atterrir tranquillement. Heureusement que j'avais dit tranquillement. Ah, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on s'équipe de son arme, forcément. Hein, ça va demander de tirer. Et attention à pas faire comme moi. Donc là, on allume. Donc là, il y a un petit problème. Normalement. Alors, je dis bien normalement. C'est censé vous afficher les bestioles à tuer dans la grotte. Donc là, on va y aller à la chatte, j'ai envie de vous dire. Mais je crois que je l'ai déjà fait, cette grotte. Pourquoi il s'est allongé? Bon, c'est pas grave. Après, c'est peut-être le serveur qui est un peu, qui a peut-être un peu du mal. Alors, si je me rappelle bien, il faut aller ici. Il faut descendre. Oui, parce que vous allez souvent les croiser, les grottins. Hop. Hop là. Là, c'est à droite. Ok. Là, ça m'inquiète, parce que normalement... En voilà un. Ah, du coup, les autres s'affichent encore après. Faut d'abord faire débugger la quête. Et après, il s'affiche. Super l'ambiance. Donc, du coup, ça veut dire que je suis passé à côté de bestioles. Donc, quand je vous dis que c'est assez simple. Attendez, mais ils sont plus. Alors, soit ils sont beaucoup plus bas. Soit ils sont buggés. Je pense qu'ils sont plus bas. Ouais, va falloir descendre plus bas. On
va essayer par là. Cul-de-sac. D'accord. Ce qui est dommage, normalement, ça vous indique à combien de mètres ils sont. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une ellipse, les amis, désolé. Et dès que je suis devant eux, bah, je vous reprends. Donc, on voit les amis. Hop. Et deux. Enfin, deux plutôt. Donc, à savoir que j'ai loupé un chemin. Donc là, en gros, eux, ils sont plus loin. Donc en gros, moi, je viens de là. Donc je me suis cassé la gueule, hein, comme vous pouvez le voir dans sur mon point de vie. Ça a piqué, hein. Voilà, je le dis honnêtement. Hop, hop. Attendez, parce que... Du coup, en fait, il y a tellement de dédales, parce que j'ai découvert une partie de la grotte que je ne connaissais pas encore. Et bah voilà, vous voyez un peu où je... Regardez, voilà, où j'en suis. Je suis complètement paumé. Là, j'en entends un, mais... Donc, j'ai un en dessous, ok. Mais pour moi, ils sont encore en dessous. Donc, en vrai, c'est-à-dire que je me suis... Et dites-vous que je suis tombé de tout en haut, hein, dans ce trou-là. Ah, pour moi, ils sont encore en bas. Tac. Bah, écoutez, les amis, je m'en occupe. Donc, les amis, me revoici. On m'envoie un... courir dessus, d'ailleurs. Donc, je pourrais pas vous dire s'ils sont agressifs ou pas. Enfin, si en... Je vais vous dire en général dessus, parce que autrement... Voilà, donc je vais pas récupérer la corne parce que j'ai la flemme. Du coup, je vais remonter en haut. Est-ce qu'on a bien... Ouais, bon, on peut pas. Et donc, comme vous voyez en même temps, là, ce qui est bien, c'est que... on peut récupérer les cornes. Sur les cornes de campion. Donc, on pourra toujours essayer de voir combien ça vaut, parce que même moi, ça, je n'ai pas regardé. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la réputation. Vous voyez, les amis, 5% de réputation. Donc, si je ne dois pas qu'à moi, cette découverte, même pas du tout. Et la corporation, donc, comme vous voyez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il fait sa petite pub vocale. Mais du coup, voilà, vous voyez que en fait, on a réuni nos informations. Donc, bien entendu, moi, je teste toujours avant. On me l'a dit. J'ai dit, ouais, ok, je vais aller voir. J'ai essayé. Et du coup, effectivement, c'est bien passé à 5%. Vous avez vu que en 5%, vous montez quand même assez rapidement votre barre. Et plus votre barre est élevée, plus vous aurez des quêtes et des missions importantes avec des gagne-pain plus importants, j'ai envie de vous dire. C'est bien par là, je crois qu'il faut aller. Hop là. Donc voilà, les amis. Donc, du coup, on se retrouver pour la suite de notre aventure pour gagner de la thune. Parce que là, pour l'instant, on a gagné 0. Mais c'est normal, hein, il faut monter ses pourcentages. Donc, bien entendu, moi, je vais vous montrer ce que j'ai et ce que je connais. D'accord. Je dis pas que c'est le meilleur. Mais en tout cas, j'ai plus personne d'autre à avoir des millions assez rapidement. Ou alors, ils farment des heures et des heures. Avec un reclaimer, chose que nous on n'a pas besoin de faire parce qu'on a trouvé la solution pour faire des millions très rapidement. Donc ces techniques de faire des millions très rapidement, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure et je vous la redis maintenant, on la donne pas, on va pas la donner comme ça. Ou alors peut-être, je dis bien peut-être que je la donnerai quand on aura passé les 1000 abonnés. Voilà, au moins voilà, c'est dit, c'est fait. Donc, par contre, j'arrive pas à passer cette zone, ça va être chiant. Hop, voilà. Est-ce que là, je peux, s'il te plaît, merci. Donc, écoutez, les amis, on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc, les amis, je vous reprends rapidement pour vous faire voir où on en est en termes de réputation. Donc, vous voyez qu'on est à 31,5. Donc là, j'ai pris le contrat à 10 000.
celui que j'ai accepté tout à l'heure, pour vous montrer combien on gagne. Donc 31,5. Et retenez bien après combien on gagne. Donc voilà les amis, objectif terminé. Juste, je vous remonte rapidement. Réputation, Hearthstone Dynamic. Voilà, 34. Donc c'est pour vous dire, hein, vous enlevez. Donc ça veut dire on était à. Ça fait. On gagne 2,5. 2,5, ce qui est vraiment ridicule comparé au quête des compions. Donc c'est pour ça que je vous dis en termes de réputation, ça peut se monter très rapidement. Si vous verrez le truc. Et du coup, là, on va stacker à la mission contrat accepté à celle de 30 000. Donc normalement, si je dis bien pas de bêtises, il y a 17 ennemis à tuer, donc c'est là où il faut faire le plus attention. Je vous rappelle que vous commencez le jeu, d'accord, vous n'avez pas beaucoup de stuff. Donc, mission de 30 000, ça sera énorme pour vous, pour commencer. Et secondo, avant, ce que j'ai pas, je vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire, c'est de se faire un minimum de stuff, une armure ou des trucs dans le genre, d'accord. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, pour moi, ça me paraissait logique et normal. Peut-être que ça l'était pas, donc je vous le redis maintenant. Préparez-vous au moins une armure et quelques armes. On va dire ça va vous coûter allez, 10 000. Vous avez vu quand les 10 000, mec, même avec un simple bunker comme ça, ils sont remboursés les 10 000. D'accord? Donc, faites-vous un petit stuff, un mini stuff comme j'ai fait. Et vous aurez ce qu'il vous faut pour faire ces petites missions qui sont pas grand-chose en soi en termes de besoins, on va dire. Vous pouvez y aller avec n'importe quel vaisseau. Donc, nous voilà arrivés sur Pickerfield. Ce sera certainement la dernière mission qu'on fera de cette vidéo. Après, ce sera plus du blabla qu'autre chose, les amis. Donc, du coup, Pickerfield, ça ressemble à ça. Bah, après, il y a plusieurs points du style. C'est rappel, Pickerfield, pas sur Hearthstone. Donc là, vous voyez déjà, on a... pas mal d'ennemis à buter. Donc là, on a tué. Ouf. Donc faire attention, comme je vous l'ai dit, c'est pas en 20 minutes. C'est pour ça que je vous dis de faire minimum un stuff pour y aller. D'accord? Hop, il est où lui là qui me tire dessus? Il en reste 9. Vous voyez, en plus, le nombre il augmente. Mais normalement, là, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, ça vous fait gagner des AUEC et. Oh, oh, oh. Ouais, tu vas arrêter tout de suite. Ça vient toucher aussi. Hop, le chargeur. Là, ils vont récupérer dans le sac. Ça met pas mal de temps. Vous voyez déjà tous les chargeurs que j'avais mis. Ils sont plus là. Hop, ça, c'est pour m'enlever du... Mais c'est vrai qu'elle n'est pas améliorée, cette arme. J'avoue, j'ai vu un... Ah si, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une constellation. Joueur ou flic, ça? Deux secondes, j'attends dans... Maintenant. Et à savoir que là aussi, vous pouvez vous récupérer du stuff. Bon, moi, je ne peux pas récupérer du stuff parce que je suis venu avec un Eclipse, mais... Vous voyez déjà comment ça peut être assez compliqué. Voilà, c'est terminé, tous les cadavres sont ici, et là, si vous même voulez, vous voyez là, par exemple, hop, petit FS9, on peut se faire plaisir là, ouvrir l'inventaire, ah, c'est vrai que j'ai ça, bah vous savez quoi,
hop, ça dégage. Moi, personnellement, je préfère la FS, forcément. Ne peut pas être trop tiré, d'accord. Après, je sais que les chargeurs de FS se trouvent un peu partout. Enfin, un peu partout. Et vite dit. Hop là. C'est quoi ça? FS9, tac, on récupère. N'oubliez pas, prenez voilà, des petits soins, des grenades. Ça fait plaisir. Décharger. On peut pas. Non, je me suis pris pour. Dans Grayson. Tac. Donc là, je fais vite fait le tour de certaines. Certains morts. Pardon. Tac. Pas encore au point leur truc, hein. Tac. Hop là. Mage gauche, tac, tac, tac. Rangé. On a 82%. Ça devrait le faire. Donc, en termes de réputation, on était à 34, il me semble. Ah. Là, il y a une couille, par contre. Il y a une couille dans le pâté. Parce qu'on vient de déglinguer des mecs et on avait pris un pourcentage. Ou alors, c'était peut-être parce que c'était un contrat. Le contrat débutant là, il y a peut-être un truc. Attendez, on va regarder ça ensemble du coup, vu qu'on y est. Autant le faire, vous allez me dire. Non, c'est offre, mercenaire. Voilà, déjà il y a beaucoup plus de missions. Et vous voyez, de toute façon, plus vous augmentez, plus vous augmentez le level, plus vous gagnez de la thune en termes de missions. À savoir que dans certains cas, donc. Faut monter sa réputation pour avoir des bunkers d'air. Est-ce que attendez, toujours pas? Bon, je pense que ça doit être un peu buggé aussi. Hein, d'accord, ouais, ça doit être un peu buggé, mais bon, c'est pas très grave. Le but c'est que vous pouvez voir comment monter pour avoir des missions plus haut level et accepter forcément, vu que vous serez des missions plus haut level, vous pourrez. Local, tac. Vous pourrez tout simplement avoir de meilleures missions et mieux, meilleur loot. Donc à savoir que je vous fais cette vidéo pour vous dire aussi que si tac. J'en ai marre de ce bug. Voilà. Excusez-moi, c'est juste que. Le jeu ne veut que je canne en fait. Hop, j'ai une meilleure idée. Voilà. Tac, oui, donc vous aurez des bunkers au fil du temps où il y aura de la drogue à récupérer. Donc vous choisirez soit de la détruire, soit de la vendre. Ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Et c'est justement là où je veux en venir. C'est là où vous gagnerez le plus de thunes en soi. C'est en faisant ces quêtes-là. Mais d'abord. Monter les réputations, donc là vous avez bien vu que on a monté très rapidement en faisant du compion, ça monte de 5%. Et à chaque fois, en fait, si vous montez de 5%, vous allez forcément tôt ou tard tomber sur les quêtes dont je vous parle depuis le début avec les missions de drogue. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Comme je vous dis, c'est n'écoutez pas toutes les conneries qu'on vous dit. Le salvage vaut plus, nanana. Le salvage, ça vaut quasiment que dalle. Et en fait, même si là, c'est un peu plus long à se mettre en place, je peux vous assurer qu'au fil du temps, ça vous rapportera beaucoup plus, quoi. On va dire, là, tout à l'heure, on a fait 3 millions à 2 en une heure. Avec la mission... plus loin que je vous parle, la mission que je vous ai pas encore dit, enfin la mission, entre guillemets, que je vous ai pas encore dit, je vous la dirai peut-être quand on aura 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, d'accord les amis? Si on atteint les 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo particulièrement pour ça, voilà, donc si on atteint les 1000 abonnés, je vous montrerai la strat, comment monter très rapidement, avoir des millions en 3x23, bien entendu, donc voilà.
si ça vous intéresse, abonnez-vous et faites tourner la chaîne pour qu'ils s'abonnent aussi à leur tour. Et oui, et je vous ferai ça. Du coup, voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé ce petit guide du débutant. Ça peut que vous aider à aller de l'avant dans ce jeu qui est assez compliqué au départ en solo. Donc, bah voilà. Je compte sur vous les amis pour lâcher un petit like et à vous abonner bien entendu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Ciao tout le monde.